avoir des graines grêbelles pour l'Alpe. On partira ici à 11 pour Angers-Vétu pour la remise protocolaire. Bon, il marque à l'autre sort, c'est où qui va bien. Dernier pilote séance, c'est Tony qui est avec le trial. Je le rappelle, le principe, c'est de mettre le moins de pieds par. Voilà, c'est parti pour Tony. Au départ, chrono, c'était important. Vous savez comme allez, un braga qui maintenant va s'élancer. Et Lambing Fujinami qui va nous rejoindre dans quelques instants. Donc Takeshi Fujinami pour le Japon. Takeshi également ici sur ce podium du championnat du monde. Allez, on va pour la deuxième place au classement premier de l'Espagne. Albert, bonjour. C'est ça, James Aville, numéro 9. On est parti là. Matvecha, alors que le premier pilote a fait. Amaya.
es Bob. Sí. Quedan 45, que intenta. Una esquerra aquí, tirem amunt. Restez, c'est pas fini. Il y a du cubage dans les zones. Alors, on va, on va. Yeah.
Thank you.
Vinga, posa per davant. Le mur, le mur, a droite. Per a l'esquerra, un. Vale, un pelat endavant. Que vol dir? Que corri la boca! Allez, monsieur Jean-Louis Bianco, président donc, du Conseil général des députés, qui remet dans les bords, à tous les partenaires. Attention. Allez, je voudrais applaudir les champions de cette troisième manche. Muy importante, ¿no? Yo creo que un resultado más, una victoria más, y la verdad que las cosas están funcionando muy bien, más puntos de ventaja, e intentar pues administrarlos, ¿no? Intentar estar delante también en Japón, vienen dos carreras muy importantes en un fin de semana, y coger los máximos puntos posibles.
satisfecho con el resultado, pero no muy satisfecho con mi actuación, ya que la primera vuelta he hecho muchos errores y bueno, espero pues poder en la próxima prueba no repetir los mismos errores. I think basically I'm happy with the result. It's been a really strange day for me. I started off really well and then got to about section 7, 8 and had sort of 3 or 4 fives consecutive and really found it difficult to come back from that. We were losing a lot of time and it was really hard at the end of the first lap. Started well again on the second lap and improved in the middling in some areas. I rode not so bad today, but not as good as in Guatemala, so I suppose fourth in Guatemala, third here, you have to be a little bit happier to be on the podium, but no, it was a difficult day for me today. Yeah.